Bonjour et bienvenue sur Chasseurs d'emploi. Cette émission a pour objectif d'aider des personnes à trouver du travail en tant que salarié ou créateur d'activités, en rassemblant les acteurs de l'emploi, les entreprises et le monde de l'associatif. Aujourd'hui, nous aurons comme invité Audrey Lucchinassi, présidente de la Fédération des commerçants, artisans et professions libérales des 4e et 5e arrondissements de Marseille, Jacqueline Lambert, coprésidente de FAS Sud-Provence, Sandrine Molinéry, dirigeante de GPS Conseil. Elles nous rejoindront plus tard sur le plateau pour aider Céline, qui est la chasseuse d'emploi de la semaine et qui cherche du travail comme responsable marketing. Allez, sans plus attendre, on va voir son portrait. Donc, je m'appelle Céline, j'ai 36 ans, je suis responsable marketing et communication. J'ai 10 années d'expérience professionnelle, à la fois en agence de communication et chez l'annonceur, donc en entreprise. Et je suis originaire plutôt du 06. D'accord. Oui, je parle par là parce que 06, c'est par là. J'ai deux petites filles qui ont 3 et 5 ans. D'accord. Voilà. Ouais, ça occupe bien. C'est intense, mais on arrive à se poser. Je suis organisée justement pour pouvoir travailler à temps plein toute la semaine. Voilà, c'est vrai que les enfants, c'est pas insurmontable. Hein, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Voilà, j'ai déjà des enfants, je suis installée de manière stable. C'est quand même aujourd'hui des choses qui rassurent les employeurs en fait. Mais très concrètement, la question m'a été posée. Savoir si je comptais avoir d'autres enfants. Mais bon, moi, les enfants font partie de ma vie, mais c'est justement d'un équilibre. Et voilà, si je suis bien chez moi, je serai bien au travail et inversement. Alors aujourd'hui, la difficulté que j'ai, c'est un manque de visibilité. C'est-à-dire, je suis sur un métier où on est nombreux. La difficulté, c'est de valoriser mon expérience. Je suis persuadée d'avoir des compétences, d'avoir des choses à apporter une entreprise. Je ne remets pas ça du tout en question. Au contraire, j'ai envie de le prouver. J'attends de rencontrer du monde pour aller leur montrer mes compétences et décrocher un emploi rapidement. Nous allons maintenant voir un reportage sur le parcours de Céline qui a duré un mois. Je vous propose de retrouver l'association CV Street, Céline, les chasseurs d'emploi et le collectif qui sont réunis. Ce qui me manque, ce sont les compétences qui ressortent de chacune de tes expériences professionnelles. Tu décris ce que tu as fait, mais je n'ai pas les compétences transverses à toutes tes expériences professionnelles. Il y a également en bas deux choses qui m'interpellent. D'une part, compétences diverses. Alors le divers, ça fait un peu fourre-tout, je trouve. Ça fait un peu tout et n'importe quoi. Alors, ça peut être compétences transverses, qui serait peut-être mieux. J'aime beaucoup la photo. Les couleurs sont agréables. Voilà. Je partais d'un CV donc, comme ça, qui était vraiment dans l'ordre chronologique très classique. Et là, j'ai réorganisé le CV, qui est un peu dans la même teinte, mais qui est quand même beaucoup plus dynamique parce que au niveau de l'organisation, on a vraiment les compétences qui ressortent, techniques et fonctionnelles, et après mes expériences. Et j'ai eu l'occasion donc de l'utiliser là, ce tout dernier CV. C'est vrai que la première remarque, c'est qu'on m'a dit qu'il était très beau. Parce qu'on m'avait... En général, j'ai pas de remarques sur mon CV, donc là, ce qui est positif, c'est que déjà, il y a une première réaction. Et donc non, mais ça, enfin, pour moi, cet atelier a été très intéressant parce que On est dans notre CV, on ne se rend pas bien compte. On a besoin d'avoir des avis extérieurs pour en sortir. Et voilà, donc le CV Street m'a apporté ça. Nadia Conseil à la création d'entreprises est venue expliquer aux chasseurs qu'ils ont la possibilité de créer une activité tout en continuant à percevoir leur allocation chômage. Céline a souhaité en savoir plus. En tant que chasseur d'emploi, moi je pourrais être intéressée de venir vous voir pour échanger sur... statut d'auto-entrepreneur ou de portage salarial, parce qu'aujourd'hui donc je suis en recherche d'emploi. Je pourrais quand même donc continuer à percevoir en fait mes droits de chômage, mais exercer une activité en parallèle de conseil, puisque je suis dans le marketing et la communication. Donc je ne sais pas trop vers quel statut m'orienter, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'échanger ensemble pour voir qu'est-ce qui est le plus adéquat par rapport à mon profil. Ça va dépendre du chiffre d'affaires que vous allez déclarer une fois immatriculé. Mais il existe aussi d'autres possibilités. Et ça, ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu de plus près ou d'en parler par la suite. Mais c'est par exemple les couveuses entreprises qui peuvent vous permettre de tester le projet tout en cherchant un emploi en parallèle. Et là, ça vous permet de garder vos indemnités assez DIC et de tester votre projet grandeur nature. J'ai déjà créé une entreprise en fait en 2007 que j'ai revendue en 2009. Donc j'ai cet esprit d'entreprendre en moi. C'est vrai que je sais pas, peut-être je vais recréer une entreprise ou intégrer le salariat. C'est la question que je me pose assez souvent aujourd'hui.
Céline est confrontée à un dilemme, chercher un CDI en tant que responsable marketing ou bien créer son entreprise et trouver elle-même ses clients. Sandrine Molinéry, dirigeante d'un cabinet de conseil en stratégie marketing et communication, va l'aider à prendre sa décision. Au regard de votre expérience professionnelle, je pense que vous pourrez peut-être m'apporter quelques conseils. Donc, je suis en recherche d'emploi. Pour rester active, dynamique, sur le marché, je propose actuellement des offres de consulting pour des TPE-PME de mon réseau proche. Mais ma recherche fondamentale, c'est un poste en CDI dans une entreprise à temps plein. Ma question, c'est que je ne sais pas trop comment me positionner, parce que je n'ai pas envie d'avoir une image compliquée à comprendre. Enfin, je veux que ça soit lisible simplement. Donc, je veux montrer un certain dynamisme, dans le sens je suis active, je fais des choses, j'ai des choses à proposer. Mais en même temps, je cherche concrètement un emploi en CDI. Donc, je ne sais pas si je dois mettre en avant le fait que je fasse du consulting ou, au contraire, juste dans des discussions, mais pas du tout sur les réseaux ni sur mon CV. Alors, moi, de la façon déjà dont vous me l'exprimez, oui. Je comprends que vous êtes une personne très dynamique, qui a beaucoup d'énergie, qui n'a pas envie de perdre de temps. Oui. Je crois que vous êtes sur le marché de l'emploi depuis très peu, c'est-à-dire depuis le mois de juillet. Nous sommes en novembre, il y a eu les vacances entre-temps, donc vous êtes vraiment toute fraîche, débarquée sur le marché de l'emploi. C'est bien en effet que vous cherchiez, je dirais, dans un intermédiaire, à vous faire connaître par du consulting, mais il faut que dans votre message, vous soyez très clair sur votre objectif final. Votre objectif final, c'est d'être responsable ou directeur marketing et communication d'une entreprise. Donc ça, il faut d'abord que vous l'affichiez, c'est votre message. En communication, c'est un message et ensuite, je le multiplie à plusieurs reprises. Merci pour ce premier échange. Je pense que les questions vont arriver au fil de l'eau. C'est une période qui est très dynamique pour nous, là, avec tous les jours des rebondissements. Donc, puis j'ai des entretiens la semaine prochaine sur des secteurs qui ne sont pas forcément les miens. Donc je pense que je serai amenée à vous contacter rapidement. On va pouvoir échanger. En tout cas, merci pour ces premiers conseils. L'objectif final, c'est bon, maintenant pour moi, il est clair, c'est trouver un poste en CDI, en entreprise en tant que responsable communication marketing. Ce que je veux, c'est des projets d'envergure, intégrer une équipe, une entreprise sur le long terme, donc c'est vraiment ça ma recherche. Donc aujourd'hui, avec les échanges que j'ai eus, je pense que je peux vraiment me positionner fortement et aller à la chasse de manière bien précise et efficace. Céline a obtenu un rendez-vous avec l'entreprise Jaguar Network. La directrice des ressources humaines est intéressée par son profil, mais Céline va devoir la convaincre en entretien. Bonjour, donc je suis Céline Père, responsable marketing communication. Donc je postule aujourd'hui au poste de chargée de communication interne-externe de Jaguar Network. J'ai pu étudier en profondeur l'offre. Pour vous expliquer un petit peu la suite de la procédure, chez Jaguar Network, vous avez un process en 3 temps, donc qui est assez synthétique, puisque vous avez une première partie, donc un entretien avec moi, où là, on fait un balayage plutôt généraliste de votre parcours, l'adéquation de votre expérience avec la mission du poste à pourvoir. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez rencontrer les opérationnels, ce qui veut dire que vous allez avoir un entretien avec un focus vraiment sur l'environnement métier, la réalité, les interactions avec les équipes. Donc là, on va rentrer vraiment dans les missions du poste. Et en phase finale, si ça match, on vous reçoit pour un entretien final avant proposition. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire partir avec un projet de contrat de travail dans les mains. L'entretien s'est bien passé. À l'issue, elle m'a dit que j'étais sélectionnée en tout cas pour passer les entretiens suivants. On n'est plus que 4 candidats, donc ça c'est très positif. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vais retravailler pour le prochain entretien et je perds pas espoir. Quelques jours plus tard, Céline apprend que l'entretien n'a pas abouti, mais elle n'a rien perdu de sa motivation. Pour atteindre son objectif, elle va continuer à développer son réseau professionnel, consciente que c'est elle qui a les cartes en main. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément des offres en lien avec ce que je cherche. Enfin, je cherche un poste de responsable marketing communication, mais l'idée, c'est vraiment de rencontrer du monde, oui, de réseauter. C'est pour ça qu'il faut que je te présente Sandra Jalinet, alors. Tout à fait. Ah oui, d'accord. On la connaît bien. Voilà, tout à fait. Voilà, peut-être littérature. Céline a atteint son but, celui de se créer un réseau professionnel dans une ville où elle habite depuis peu. Ce qui est important pour tous les chasseurs d'emploi, ce n'est pas de trouver du travail immédiatement, mais d'être en phase avec soi-même pour cheminer dignement vers la vie active. Nous venons de voir le parcours de Céline qui a duré pendant 1 mois et elle aurait dû être avec nous sur le plateau. Malheureusement, elle a dû s'absenter et on a une explication, elle a tenu à s'adresser à nous en images, vidéo. Je ne suis pas là aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai signé un contrat en CDI,
un poste de responsable marketing communication dans une entreprise en plein développement. Donc pour moi, c'est parfait, c'est exactement ce que je recherchais. Aujourd'hui, donc, je vais m'épanouir dans mon poste, mais je vais continuer à aider les chasseurs d'emploi. C'est vrai que j'ai bénéficié, moi, de tout cet accompagnement et j'ai vraiment envie de donner aujourd'hui à ceux qui sont en recherche. Je suis passée de l'autre côté, mais il y a vraiment de quoi transmettre. Donc, je remercie beaucoup toute l'équipe et j'encourage les chasseurs d'emploi à persévérer et à s'accrocher. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour Céline. Excellente nouvelle. Voilà. Bah on va quand même discuter du point qu'elle avait soulevé, c'est-à-dire comment développer un réseau professionnel quand on est à la recherche d'un emploi. Je vais commencer avec vous, Audrey Lucchinassi. Vous êtes présidente de la Fédération des commerçants des professions libérales et des artisans du 4e, des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Mmh. À la place de Céline, finalement, qui n'est pas de Marseille à l'origine, comment vous auriez fait pour débuter votre réseautage, comme on dit ? Mais déjà, le réseau part de son noyau dur. Donc, c'est vrai que c'est déjà les gens qui sont très proches de nous. Il faut multiplier les rencontres, déjà en commençant par ses amis, c'est les commerçants, les voisins, les gens qui sont autour de nous. Mmh. Et c'est en multipliant ces rencontres, en restant dans l'échange, qu'on va élargir son cercle de connaissances. Surtout, ne pas hésiter à dire qu'elle recherche un emploi. Et souvent, c'est en parlant, en échangeant, qu'on peut finaliser... sur un emploi. Dans le sens du contact. C'est très important. Sandrine Molinéry, donc vous êtes dirigeante de la société GPS Conseil, qui conseille en fait en niveau marketing et communication les dirigeants, et stratégie bien sûr, les dirigeants des TPE et PME qui souhaitent justement avoir cet accompagnement s'ils n'ont pas ce type de structure département en interne, je dirais. Alors on a bien vu que finalement vous avez accepté d'aider Céline, un peu comme mentor entre guillemets. Et puis Céline hésitait, donc création d'activités, continuer à rechercher un poste salarié. Et j'ai l'impression que votre intervention l'a aidé dans sa décision. Pourquoi selon vous ? Bien écoutez, parce que j'ai tout simplement discuté avec elle et je lui ai posé la question de fond qui était de dire qu'est-ce que vous ressentez vraiment au fond ? Est-ce que vous avez vraiment envie de créer votre entreprise ? Est-ce que vous avez cette flamme intérieure qui brille ? Ou est-ce que vous avez plutôt envie de vous retrouver dans une structure en occupant un poste CDI de responsable marketing communication ? Et de par ce qu'elle m'a dit clairement, j'ai ressenti en fait qu'elle n'était pas prête à créer sa propre entreprise, mais qu'elle avait plutôt de trouver une structure qui l'accueillerait. Donc là-dessus, en fait, on a un petit peu discuté pensée positive et notamment la nouvelle pensée positive 2.0, en fait, qui met alors en avant... Alors c'est quoi la nouvelle pensée positive 2.0 ? C'est quoi donc ? Ben, disons que par rapport à, on va dire, la pensée positive classique, qui est celle qui dit que normalement, en fait, on attire à nous les événements de nos pensées, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui est plutôt... pessimiste, voilà, ben vous n'allez pas forcément attirer des événements positifs qui vont vous faire avancer. Par contre, lorsque vous êtes plutôt optimiste, positif, etc., quelque part, lorsque vous avez ces pensées-là, bien, quelque part, on vous renvoie des choses positives. Donc ça, c'est, on va dire, la pensée positive classique. Et dans la pensée positive 2.0, on met en avant que l'être est plus important que l'avoir. Et il est vrai qu'il est d'abord très important quand on cherche un emploi ou qu'on cherche peut-être à créer une entreprise de se poser vraiment la question qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, avant de vouloir quel est mon obtenir, objectif, voilà, avant de vouloir avoir. Oui, je veux être riche, très bien, oui, je pense que tout le monde a envie d'être riche, mais au fond, parfois, pour y arriver, il faut peut-être faire des choses qui ne nous ressemblent pas vraiment. Et ça, je crois que c'est important à un moment donné de se poser la question et d'y répondre surtout. Alors c'est très philosophique ce que vous dites, hein. Il y a un côté... Alors ça me permet de faire un enchaînement avec vous, Jacqueline Lambert, vous êtes coprésidente, excusez-moi, de la fondation Face Sud Provence. On vous connaît parce que d'abord vous luttez contre toute forme d'exclusion, et notamment avec des actions de retour à l'emploi, hein, comme le CV vidéo qu'on a vu récemment. Vous regroupez des entreprises qui sont engagées dans le champ sociétal. Alors ma question c'est pourquoi elles sont avec vous dans ce réseau que vous avez créé d'entreprises engagées, et quelles sont vos actions concrètement avec elles ?
Alors, je vais commencer par les actions, parce que finalement, ce qui attire les entreprises, c'est les actions que l'on crée. Nous avons des agir. Actions. Voilà, c'est voilà, agir. C'est agir, ouais. C'est agir contre l'exclusion. On agit dans le champ de l'emploi, très clairement, pour aller au-devant des personnes qui sont le plus éloignées de nos entreprises. On agit aussi en amont au niveau des écoles, parce que c'est important d'intervenir. On fait de la lutte contre le décrochage scolaire. Et favoriser la connaissance de nos métiers bien en amont, lutter contre toutes les idées que les futures personnes qui vont venir sur le monde de l'entreprise peuvent avoir de nos métiers. Et c'est pour ça que j'en profite pour dire qu'une émission comme ceci, j'apprécie énormément, parce qu'hélas, autant que nous sommes, les entreprises, nous trouvons que parfois, l'image que l'on donne de nous n'est pas l'image réelle de nos métiers. Donc c'est vrai qu'on va au-devant alors, pour se présenter. Alors c'est l'être ou l'avoir, c'est comme disait Madame Olivier. C'est ça, c'est important. On a aussi des débats vraiment de positionnement dans lesquels on aimerait être un peu plus perçu pour ce que l'on est vraiment. Et puis, des actions aussi au cœur des entreprises, c'est-à-dire sur les pratiques en entreprise. Et ces entreprises qui sont dans le club de la Fondation Agir contre l'exclusion, ce sont toutes des entreprises qui ont en commun leurs actions sociétales, leur engagement. Notre souhait, c'est de faire en sorte que notre entreprise ira mieux sur un territoire qui va bien, c'est sûr. C'est une très belle association. Alors, il est évident que quand on veut prouver sa motivation, on va le faire dans le cadre des rencontres qu'on peut faire dans un réseau professionnel, mais c'est aussi, on peut l'exprimer par écrit, c'est l'idée d'une lettre de motivation qu'on peut faire pour répondre à une offre ou une candidature spontanée. On a demandé l'avis à un spécialiste de Pôle emploi dans le cadre de la Minute de l'Expert avec la Cité des métiers. Allez, rendez-vous juste après. Bonjour et bienvenue à la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Valérie, détachée de Pôle emploi à la Cité des métiers, de vous donner ses trucs et astuces pour bien rédiger votre lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est le reflet de votre personnalité professionnelle. Il va falloir y mentionner vos qualités, vos capacités, toujours en lien avec votre cible. On va en trouver deux types. Vous pouvez effectivement répondre à une offre. Et à ce moment-là, il sera très très important de bien lire l'offre et de bien cerner la demande de l'employeur. Une seconde stratégie consiste à envoyer des candidatures spontanées. Dans ces cas-là, vous anticipez sur le besoin de l'entreprise et vous êtes force de proposition. À vous de vous vendre en mettant en avant vos points forts, vos capacités. Si j'ai un petit conseil à vous donner concernant vos qualités, justifiez-les par des exemples. Vous avez tous dans votre expérience professionnelle un exemple à donner qui va justifier cette qualité et faire la différence. Merci Valérie. Retrouvez toutes nos vidéos sur le site qui s'inscrit sur votre écran et à très bientôt. Nous voici de retour sur Chasseurs d'emploi. Nous parlions de Céline et du thème qu'elle a soulevé aujourd'hui, c'est comment développer son réseau professionnel. Alors je vais vous poser une question à toutes les trois. Finalement, quels sont les réseaux professionnels pour une recherche d'emploi dans notre région? Comment y accéder? Et pour ceux qui n'osent pas franchir le pas, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Je vais commencer peut-être par... Je peux commencer si vous le souhaitez. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que la Chambre de commerce a édité il y a quelque temps un annuaire de tous les réseaux qui est très facilement accessible sur leur site. Donc il suffit en fait de compulser et ensuite d'aller chercher dans le réseau lui-même exactement ce que l'on recherche. Ça c'est la première chose. Moi personnellement je connais un autre réseau qui vient de se créer il y a peu de temps qui s'appelle le réseau Sémaphore, qui en fait est constitué de gens à la recherche d'un emploi ou de gens ayant une activité qui ont quand même une certaine expérience et qui souhaitent mettre en commun leurs connaissances justement personnelles pour agrandir les réseaux de chacun et se créer en fait des opportunités. Donc ça, c'est très important, savoir à un moment donné se dire que la chance n'existe pas forcément, mais en fait, la chance, on se la crée, tout simplement. Et donc, pour avoir de la chance, eh bien, il faut ouvrir ses oreilles et son regard, en tous les cas, élargir son champ de vision et se dire que c'est les opportunités qu'on va se créer qui vont, quelque part, à un moment donné, faire qu'on sera chanceux dans la vie. Audrey, comment on pourrait parler peut-être aussi à la fois pour Céline, le cas de Céline, mais plus généralement pour les demandeurs d'emploi qui cherchent à... L'expert parlait de la candidature spontanée. Donc oui. Nous, c'est vrai qu'on est quand même une fédération de commerçants, artisans et professions libérales. On regroupe quand même beaucoup de professionnels et il nous arrive de servir de lien. Donc moi, j'invite déjà les personnes qui recherchent dans le commerce à nous faire
des candidatures spontanées parce qu'on peut effectivement servir de lien déjà avec nos adhérents. Dans le 4-5, on a aussi un commerce alternatif qui est une association qui s'appelle Potentiel. Donc là, ça sera plus, par exemple pour Céline, ça aurait pu être possible puisque c'est pour les personnes, c'est plus au féminin. Donc là, c'est un centre d'intérêt, c'est un réseau plus féminin. Donc ça peut être pour les personnes qui recherchent des emplois, mais aussi des personnes qui veulent créer leur entreprise. Après, je pense aussi à un syndicat avec lequel on est en relation, c'est l'UMI. Donc l'UMI qui est le syndicat des restaurateurs de Marseille, où il y a des postes à pourvoir dans la restauration, dans le service, la cuisine, parce que il faut savoir que dans cette thématique, souvent on perçoit le métier comme des jobs, alors que c'est un vrai métier. Donc pareil, s'il y a des spécialistes du service ou des serveurs ou des cuisiniers, grâce à ce genre de syndicat, on peut mettre en lien des professionnels avec des rechercheurs d'emploi. Il y a des clubs aussi de convivialité, je pense au Club des 30. Oui, qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le Club des 30, c'est un club où on vient déjeuner. Il y a surtout des chefs d'entreprise, mais aussi des gens qui viennent passer un moment pour échanger, parce que dans le mot réseau, ce qu'il faut retenir, c'est toujours l'échange. Donc le Club des 30 fait partie des réseaux où on peut rencontrer des personnes si on recherche un emploi. Donc plusieurs réseaux. Et chefs d'entreprise. Ouais. Et chef d'entreprise. Plusieurs possibilités. Jacqueline Lambert, un petit mot à ce sujet, justement. Oui, j'ai envie de dire qu'il faut démystifier les réseaux. Ne vous dites pas, vous n'avez pas de réseau. Tout le monde a du réseau parce que vous connaissez des personnes, parce que vous êtes en interaction. Prenez confiance en vous, entourez-vous de personnes qui vous donnent confiance. Ouvrez-vous, hein, on le dit toutes, c'est vraiment important parce que le réseau, il est autour de vous. On a des cas de jobbers, de personnes qui étaient en recherche d'emploi depuis un sacré bout de temps. Un cas très concret qu'il a trouvé grâce à son boucher. Voilà. Et pas du tout dans le métier de bouche. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a osé parler, il faut oser dire qu'on recherche un emploi, il faut oser échanger et ne pas présupposer du réseau de l'autre. C'est-à-dire pas se dire, lui, de toute façon, ça ne va pas, il n'est pas dans le domaine que je recherche. Non, au contraire, discuter, ça va créer des opportunités et ayez confiance en vous, parlez-en et c'est comme ça que votre réseau va vous renvoyer des pistes. Alors nous, justement, alors cette émission concerne les chercheurs d'emploi, mais aussi les autres personnes, enfin les chasseurs d'emploi, mais les autres personnes qui cherchent un emploi. Cette semaine, nous avons des offres proposées par la société JobLink. C'est la séquence, les offres de la semaine. Bienvenue aux offres de la semaine avec JobLink. J'ai demandé à Guillaume de notre agence d'Aix-en-Provence de venir vous présenter ses offres. Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une offre d'emploi dans le secteur de la logistique. La logistique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la gestion des flux de marchandises, de la commande initiale jusqu'à la livraison au client final. Les principaux métiers concernés sont agent de quai, préparateur de commandes et cariste. Au sein d'un entrepôt situé à Aix-en-Provence, vos principales missions seront la préparation de commandes de produits frais, le prélèvement des colis en picking, le filmage et l'étiquetage des palettes. Le poste est à pourvoir en intérim, à temps plein ou à temps partiel. N'hésitez pas à postuler pour rejoindre cette entreprise leader sur son secteur. À bientôt. Retrouvez toutes nos offres sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran et je vous dis à la semaine prochaine. C'était les offres de la semaine avec notre partenaire JobLink. D'ailleurs, vous avez un petit bandeau qui défile, c'est www.joblink.fr pour en savoir plus. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on puisse donner nos dernières recommandations à Céline ainsi que les autres personnes qui nous regardent. Je vais commencer par vous, Sandrine Molinéry. Quel est le message qu'on adresse finalement à Céline? Eh bien, Céline, moi, je lui recommanderais de bien s'accrocher sur sa période d'essai de façon à remporter son job de façon définitive et à décrocher son CDI. Et puis, parallèlement à ça, je lui conseille aussi surtout de continuer à réseauter. Oui. Ma simple petite expérience me fait dire que j'ai été directrice marketing et communication pendant 25 ans dans des grands groupes ou des plus petites structures. Et j'ai toujours réseauté, justement, quelle que soit la région où j'étais, pour en fait être au courant du tissu économique local, de rencontrer des gens qui, à un moment donné, vont vous faire rencontrer d'autres personnes. Et ceci, donc, en fait, pour continuer à acquérir ce réseau et un jour pouvoir en faire profiter aussi d'autres personnes. Donc, il est important pour elle, en fait, qu'elle continue
à réseauter, sortir, même si elle réussit sa période d'essai, il faut toujours réseauter, communiquer avec les gens. Audrey Lucchinassi, donc, comment on pourrait justement compléter le propos de Moi, je pense que ce qui est important de nos jours, c'est de rester toujours en connexion via les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, maintenant, on peut rester en lien par rapport à ses professions, mais sur des événements, pour rester en contact. Je pense aussi qu'il est important de participer à sa vie de quartier, parce qu'on n'est pas assez au courant de tout ce qui se passe. Nous, en tout cas, dans le 4-5, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Donc, on peut rester toujours participatif, voilà, et pas tout seul. D'aller à la rencontre, parce que ne serait-ce que sur un événement, on peut rencontrer quelqu'un qui recherche... discuter, voilà, échanger des cartes de visite, pourquoi donc, pas voilà, aller... L'échange, rester sur l'échange. Surtout, voilà, le dernier conseil que j'ai à donner, c'est vraiment ça. Jacqueline Lambert, donc là, on va pouvoir peut-être s'adresser avec vous aux entreprises qui veulent justement œuvrer un peu dans le champ sociétal. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Leur recommander finalement ? Ben, nous rejoindre, rejoindre un club d'entreprise qui monte continuellement des actions innovantes sur le champ sociétal. Et puis cet engagement, ben, il est à la mesure de ce que vous voulez, vous pouvez donner. Ça peut être une heure de votre temps, parce qu'on vous demandera du temps, de l'action, hein, pas de l'argent. On vous demandera vraiment du temps. Donc ça peut passer de une heure jusqu'à monter ensemble carrément toute une action et toute une stratégie. Donc rejoignez-nous. C'est à coup de petites gouttes qu'on fait les belles rivières. Ça m'intéresse. Qu'il y a un point qui me tient vraiment à cœur, c'est l'artisanat. Parce que mon métier, Cyril, c'est... Moi, je suis dans la coiffure. Et donc, moi, je veux bien rejoindre un projet comme ça pour revaloriser mon métier et revaloriser l'artisanat. Fabuleux. Voilà, ça, c'est... On a des forums dans les collèges, on a des présentations de métiers. Mmh. Vous aurez largement la place de présenter vos métiers et de tout se vrai pour cette belle région en plus, qui en a fortement tout besoin. Tout à fait. Voilà, ben on espère que l'émission, ça sert aussi à ça, pourquoi pas, de rassembler sur le plateau lui-même des initiatives. Voilà un exemple d'échange positif. Merci beaucoup de votre aide à tous ceux qui ont participé à cette deuxième émission de Chasseurs d'emploi. J'en bafouille, j'en suis désolé. Alors, on va retrouver Céline à la fin de sa période d'essai pour faire un bilan, donc dans 2-3 mois. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur TV Sud Provence à la même heure. On est sur le canal 30 et en streaming sur tvsudprovence.fr. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas d'ici là à participer avec nous sur les réseaux sociaux et à donner vos réactions. À très bientôt. Au revoir.